Amen. Tu dois être, tu dois entrer aussi dans ta bénédiction. Dans le mariage. Vous allez bénir les mariés. Ça va. Je vous bénisse. Amen. Tant qu'il sera encore assis sur ton trône, ben c'est clair, c'est visible. Comme tu sais que ça ne bouge pas. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est assis là. Ça ne bouge pas. Amen. Rien ne bouge. Il faut que tu trônes, tu le détrônes. Tu dois quitter le trône. C'est toi qui dois s'asseoir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Chaque homme appelé à se marier. Si tu n'arrives pas à te marier, c'est qu'il y a quelqu'un qui est assis là. Si vous n'avez pas été béni à quelqu'un qui a su, quand vous écoutez un peu les aveux des sorciers, vous comprenez que eux vous maîtrisent le monde, ils maîtrisent les choses. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez compris que l'enfant sorcier a dit, j'ai pris l'intelligence de mon frère. Au lieu d'aller acheter quoi, qui m'a dit, va acheter la paix. On envoie la bouture avec qui m'a dit, il dit de marcher chez qui. Ils ont manqué les sorciers intéressés. Il m'a dit, il m'a dit. Tout en dépré, tu m'as dit quoi? Ils sont là où vous ne mourrez plus. Ils sont assis sous vos grâces, sous vos bénédictions. Ce sont ceux-là qu'on appelle Goliath. Amen. Amen. Ceux qui t'ont lancé, qui ne veulent pas te voir émerger, qui ne veulent pas te voir bénir. Amen. Regardez un moment de donner de la vie de David. Prenons le psaume 35. Vous allez comprendre. Il dit, combat ceux qui me combattent. Psaume 35, allons-y. Le psaume 35. Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier. Amen. Élève-toi pour me secourir. Élève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et à un moment donné de la vie de David, David va rencontrer son ennemi dans une grotte. Il est parié, Saül. Amen. Amen. Et c'est après que Saül soit mort que David a pris le trône d'Israël. Mais le monde de sa vie, il était tellement persécuté qu'il a dit, Seigneur, laisse-toi le contrôle. Combat ceux qui me combattent. Quand vous lisez le psaume 35, il dit, je veux maintenant voir mes ennemis périr. Amen. Amen. J'ai toujours demandé une miséricorde. Et rien. Et maintenant, il faut que tu tombes. Il faut que tu tombes. Les ennemis doivent tomber. Dieu doit te libérer. Amen. Amen. Il est le Dieu de la délivrance. Dis à quelqu'un, Jésus est le Dieu de la délivrance. Jésus est le Dieu de la délivrance. Dis à quelqu'un, Jésus est le Dieu de la délivrance. Jésus est le Dieu de la délivrance. Ça dit à quelqu'un, il est le Dieu de la délivrance. Jésus est le Dieu de la délivrance. On peut l'acclamer. Amen. Amen. Nous ne devons pas nous amuser, frère. Acceptez les conditions dans lesquelles vous vous trouvez ici. Même si vous dormez dans le salon, il ne faut pas chercher le luxe, les trois jours. Même si on te donne une nappe, on te donne une paille, il faut dormir. Amen. 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 C'est comme ça. Parce qu'il y a trois jours, en fait, on démarre aujourd'hui, jusqu'à dimanche, vous cherchez vraiment la face de l'Éternel. Parce qu'il faut que Dieu fasse tomber nos ennemis. Amen. 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 Il faut qu'il fasse tomber nos ennemis. Nous prenons le psaume 35. 37 plutôt. Le psaume 37. À partir du verset 9. Le psaume 37, le verset 9. Car les méchants seront retranchés, eux ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Amen. Les méchants seront retranchés, ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. C'est-à-dire, tu vas posséder le pays, ta grâce. Tu vas posséder, mais il faut que les méchants soient retranchés. Amen. Amen. Il faut que Dieu détruise le méchant. Il faut que toi tu possèdes les grâces. Et pose ta main droite dans ta tête et commence à parler. Pour celui qui assiste sur ta vie, sur ton mariage, sur ton succès, sur ta bénédiction, qu'il soit détrôné au nom de Jésus. Commence à parler. Je vois quelqu'un parler. Thank you.
commande au nom de Jésus de libérer sa vie maintenant. Je vous commande dans le nom de Jésus-Christ. Je vous détrône maintenant. Vous lâchez les mariages. La bénédiction de cette bien-aimée. Par la puissance du nom de Jésus. Libère ma vie. Je détrône le sorcier, oh, de ta vie au nom de Jésus-Christ, qui lâche ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Je te libère maintenant même par la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Je proclame la victoire de Jésus. Le Saint-Esprit te touche là où tu arrêtais. L'Esprit vient jusqu'à toi. Oui, le Saint-Esprit te touche. Oui, l'Esprit te touche. Oui, l'Esprit te touche. Te touche. Ah, reçois ton miracle là-bas. Reçois ton miracle. Reçois la visitation du Saint-Esprit. L'Esprit vous touche maintenant. L'Esprit vous visite maintenant. La puissance de Dieu vous touche. Là où vous êtes arrêté, regardez la puissance de Dieu. Vous visite maintenant au nom de Jésus. L'Esprit te touche. L'Esprit te touche. Femme, reçois ta guérison. Femme, reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Libère sa vie. Libère sa vie. Veuillez vous asseoir tout le monde. Libère sa vie. Dans ce corps, je te consume vos œuvres. Vous la libérez maintenant. Lâchez-la. Vous m'attendez? Libérez-la. Libérez totalement sa destinée. Libérez sa prospérité. Libérez toute sa vie. Au nom de Jésus.
qui es-tu, toi qui habites ce corps? Quel est ton nom? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu, toi qui possèdes ce corps, qui possèdes cette vie, toi qui vis dans ce corps? Qui es-tu? Qui es-tu? Donne-moi ton nom. Donne-moi ton nom. Qui es-tu? Toi qui poussais ce. Toi qui vis dans ce corps. Qui es-tu? Lâche-la. Lâche-la! Allez! Au nom de Jésus. Colonne! Allez! Feu! Colonne! Sa vie maintenant. Libérez-la maintenant au nom de Jésus. Lâchez sa vie. Lâchez-la. 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 Oui, lâchez-la. Lâchez sa vie. C'est un ordre. Vous m'entendez? Lâchez-la. Lâchez-la. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, laissez sa vie. Libérez-la immédiatement. Au nom de Jésus, lâchez-la. 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 Au nom de Jésus. Oui. Quittez ce corps et maintenant, dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je peux consumer vos œufs dans ce corps. Je fais consumer vos œuvres. Je fais consumer vos œuvres. Lâchez-le. 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 Venez qu'à le vase dans ce monde mystique. Elle n'est pas simple à le vendre en fait. C'est pas une grossesse. Au nom de Jésus. C'était plus en forme que ça. C'est depuis qu'elle est ici que ça diminue. Lâche. 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 Il était très possédé. Amen. Et puis Jésus-Christ l'a totalement diminué. Ça va? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?
Je vais rentrer avec vous tout à l'heure pour rentrer chez moi. Il y a encore là. D'accord. Allez. Il dirait la main. Lâchez-la. Lâchez sa vie. Lâchez sa vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La puissance de Jésus. La puissance de Jésus te bénit maintenant. La puissance de Dieu te bénit. Yeah, I know.
Jésus. Venez le monsieur juste derrière, et il s'assoit. Le monsieur juste derrière. Ben, venez. Ouais. Votre témoignage, est-ce que ça va? Votre soin, il ne peut pas faire ce mec. Non, 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 c'est moi qui conduis. Voilà, c'est vous là. On ne remettrait jamais à dehors ce que vous pouvez faire aujourd'hui. À demain plutôt. La Bible dit que celui qui demain, demain, tout malheur se marche. Voilà.